C'est un coucou suisse. Il a longtemps habité chez un horloger et il en a gardé une passion pour les rouages, les montres, les réveils, les horloges. Allez, viens. Thank you.
côté du tréport, c'est là où elles sont les plus hautes. Alors depuis 2009, une partie de cette falaise a été classée site Natura 2000. Elle ne veut pas être dissous par l'eau. Notre falaise, elle est constituée de silex et de calcaire en couches successives que vous voyez aux emplacements les plus blancs qui sont les derniers éboulements. Vous voyez, quand il y a des éboulements comme ça qui se produisent. Alors ensuite, ils vont regarder un petit peu plus loin là, avant d'arriver sur la plage. Les œuvres à l'époque ont été signées par Pissarro, Renoir et par Rodin. Savoir que 6000 œuvres ont été mobilisées et que 1000. Cette chapelle a été construite en 1876 et elle est faite entièrement de bois. Aux vestiges retrouvés comme des casques, des épées et des pièces d'or que les gens retrouvent encore aujourd'hui avec leurs détecteurs de métaux dans les champs. Et toujours sur la gauche, avant une dizaine de kilomètres, vous y voyez de nouveaux métaux et de pouvoir accrocher un barrage flottant d'un bout à l'autre pour récupérer des hydres. Nous avons sept rivières additionnées qu'on appelle l'Arc. Alors ensuite, vous avez encore un des trémailleurs, un des. Et ensuite, le petit bateau rouge que vous voyez qui n'a pas de.
quatre attaques latérales sur un front de 25 km. Soudain, à 3h45, l'aile est de la flotte rencontre un petit convoi allemand au large. Ciao, in questo fiore del partigiano morto per la libertà. Ik wil morgen eens kijken wat dat nou is, leren aan la plage. Thank you.
kijk Johan. Nou, mooi, ik weet toch nog naar binnen. Alleen Kees heeft nog niet geantwoord.